Maman Pascaline Lumumba avait parlé de la réalité sur la mort de son mari, Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Avant que nous puissions vous relater la suite, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications, de manière à toujours être les premiers à voir nos nouvelles vidéos. Le poids de ses 67 ans d'âge commençait à se faire sentir. Maman Pascaline Lumumba, née au Pango, a des petits soucis de santé. Ses jambes l'empêchent de faire les déplacements vers les monuments de son mari, Ali Médé. Et elle regrette. Elle regrette aussi cette journée noire du 17 janvier 1961. Elle n'avait que 22 ans lorsque le drame était arrivé. Ce matin du 17 janvier 2006, comme depuis 45 ans, maman Pascaline Lumumba répète les mêmes gestes. Elle arrange les photos comme si c'était hier. Anniversaire à l'élo, mais quand l'élo est là, quand il passe, il m'engage dans mon thème. Pour la tika la qui n'a sa gêne, n'a commis mon bangé, quand il m'a encore n'a passé. On a joué qui, car il m'a monté, il s'est dit passé à mon kiri, à Bissou et à Congo. Il a joué qui. Pense d'Egypte, d'un salissé qui bango, à Kamata qui bango, le colabana naïe, le vendre qui n'Egypte. C'est ça qui traite à le coup là où Patrice a eu caca à Omedi Mingawate. Bongo Siko, de Bakulaki, ce qui n'a pas conduit mon sou, Bakamala de mon sou, Bazaki Kosalis. Yangoana, la merci Bango, le coup la Basalaki Malamoua. Elle dit que François, Patrice, Juliana et Roland sont son héritage les plus précieux. Ses quatre enfants lui ont donné de nombreux petits-enfants qui font également son bonheur. Toutefois, les Lumumba ont également des observations et des remarques à formuler autour des productions cinématographiques réalisées sur leur père. Patrice Lumumba, junior comme on dit. Voilà. Je suis le deuxième dans la famille. Il y a François, moi je viens après François. Après moi, il y a Juliana. Et après Juliana, il y a Roland. Le film, par exemple, qu'on projette souvent ici, je vois qu'il n'y a pas trop. Ce n'est pas vraiment la réalité. Ce n'est pas ce qui s'est passé complètement. Mais il y a, bon, il y a une partie de vérité, mais ce n'est pas ça. Moi, d'ailleurs, j'allais préférer qu'on présente des documentaires, films documentaires sur lui. Bon, il y a partie du film, par exemple, dans le film, on dit que ma soeur était celle qui restait avec mon père jusqu'à la fin. Mais ça, ce n'est pas vrai, c'est Roland qui est resté avec elle. Moi, et ma soeur et François, on était déjà en Égypte. Alors, ce n'est pas correct, l'histoire-là. Retenons que maman Pascaline Lumumba était décédé le mardi 23 décembre 2014. Paix à son âme. Rejoignez-nous sur Vidéo Explosion TV en vous abonnant massivement et n'oublie pas à liker la vidéo. À bientôt sur Vidéo Explosion TV.